Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7 heures ici à Bamako, la même heure à Makouina, Tchoutchou et à Sanankoroba. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a visité hier le chantier du complexe agro-industriel de la famille Diogo Awa Keïta à Sanankoroba. D'un coût de plus de 9 milliards de francs CFA, ce complexe va produire l'huile végétale alimentaire, l'aliment bétail des bidons plastiques et du beurre de karité. L'ancien footballeur international Seydou Keïta s'est doublé en est le promoteur. Le Japon résolument engagé à soutenir le Mali dans le domaine de la sécurité alimentaire. Pour prêter main forte à notre pays, il vient de financer à hauteur de plus d'un milliard de francs CFA un nouveau projet intitulé « Fourniture d'assistance alimentaire intégrée aux personnes déplacées internes et populations vulnérables au Mali 2023 ». Parmi les sujets au menu de la page sport, le match pour la troisième place au compte de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 à Algérie 2023 entre le Mali et le Burkina Faso. Donc c'est ce soir, championnat national de Ligue, et on parle de la 17e journée qui a pris fin hier avec deux rencontres. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonjour encore et bienvenue. Direction Sanankoroba où le ministre de l'Industrie et du Commerce était hier pour visiter le chantier du complexe agro-industriel de la famille Diogo Awa Keïta. D'un coût de plus de 9 milliards de francs CFA, ce que le complexe va produire de l'huile végétale alimentaire, l'aliment bétail et volaille, des bidons plastiques, du beurre de karité. Il va créer plus de 300 emplois directs et plus de 6 000 emplois indirects. Les premières productions sont attendues en octobre prochain. L'ancien footballeur international, je vous le disais tout à l'heure, Seydou Keïta s'est doublé en est le promoteur. Chaka Konaté. Du football à l'entrepreneuriat, l'ancien international malien ex-sociétaire du CSKA et du FC Barcelone, Seydou Keïta s'est doublé, a décidé d'investir dans l'agro-industrie en implantant la société de la famille Diogo Awa Keïta à Sanankoroba, une localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako. Le complexe agro-industriel en chantier est composé de 7 unités de production d'huile végétale alimentaire, de tourteaux, d'aliments bétail et volailles, de savons, de beurre de qualité, de production et de recyclage de bidons plastiques, un investissement de plusieurs milliards de francs CFA financé sur fonds propres. Seydou Keïta, promoteur du complexe agro-industriel de la famille Diogo Awa Keïta. Avant de terminer, je pensais déjà à faire quelque chose. Et j'ai eu des opportunités à l'extérieur, mais je voulais vraiment faire ça ici au Mali. Parce que moi, je me rappelle en 2002, quand je marquais le but, je ne sais pas s'il y a une famille, en tout cas une maison au Mali, qui n'a pas prié pour moi ces jours-là. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Le fait d'avoir resté à l'extérieur, c'était aussi à mon devoir de venir investir ici, créer de l'emploi, parce qu'on sait tous qu'en ce moment, c'est très très compliqué pour tous les Maliens. Donc nous, les enfants du Mali, ici, on se donne la main, ceux qui ont resté à l'extérieur, venir investir ici. Et c'est sûr qu'on va être comme les autres, parce que ce n'est pas sorcier. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a pu constater l'évolution du chantier dont les travaux sont exécutés à 85%. L'installation des machines est déjà en cours. Le complexe agro-industriel va créer plus de 6300 emplois directs et indirects. Mamadou Zan Traoré, maire de la commune de Sanankoroba. Immense plaisir d'accueillir une implantation industrielle dans sa commune. Et surtout si ça vient d'un homme comme Seydou Keïta, l'international malien, tant aimé par tout le Malien. Mahmoud Oul Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il m'a dit hier une phrase que je voudrais compléter peut-être, je profiterai. Il dit que les Maliens l'ont tout donné, lui aussi il va tout offrir pour les Maliens. Moi je dirais que les Maliens vont toujours continuer à l'aimer, et ils vont toujours continuer aussi à tout l'offrir. Parce que cet investissement est un exemple de la réussite de la diaspora et de nos citoyens patriotes qui sont partis travailler à l'extérieur et qui sont venus et qui ont confiance au pays et qui est venu investir plus de 9 milliards de francs CFA pour cette unité de transformation. Le complexe aura une capacité de production de 312 000 bidons de 20 litres, 3 600 tonnes de savon, 24 000 tonnes de graines de coton par an.
Il sera alimenté par une centrale solaire qui a une capacité de 2 MW. Les premiers essais auront lieu en août. La production commencera en octobre 2023, selon le promoteur Seydou Keïta, qui sollicite l'accompagnement du département en charge de l'industrie pour l'exonération sur les matières premières et l'approvisionnement en amende de qualité des doléances dont le visiteur du jour a pris bonne note. Je vous parlais tout à l'heure de l'engagement du Japon auprès de notre pays dans le domaine de la sécurité alimentaire. Eh bien, ce pays ami du Mali vient de procéder à la signature au commissariat à la sécurité alimentaire d'un accord relatif à la mise en œuvre du projet intitulé « Fourniture d'assistance alimentaire intégrée aux personnes déplacées, internes et populations vulnérables au Mali 2023 ». Il est financé par le Japon à hauteur d'environ plus d'un milliard de francs CFA. Il s'agit d'un don non remboursable. Mamadi Kone pour les détails. Initié par le Programme alimentaire mondial PAM, ce projet vise à satisfaire les besoins nutritionnels de base des communautés vulnérables, notamment pendant la période de soudure agro-pastorale. Le PAM salue cet engagement du gouvernement japonais ainsi que les efforts consentis par l'État malien et ses partenaires. Éric Perdisson, représentant pays du PAM au Mali. Le PAM au Mali est aujourd'hui plus que jamais engagé à accompagner les autorités maliennes, notamment le CSA, dans sa mission de renforcer la sécurité alimentaire pour toutes les couches de la population. Ces derniers temps, par la constance et la qualité de ses appuis en denrées alimentaires, le Japon s'est illustré comme étant un des partenaires clés du dispositif national de sécurité alimentaire au Mali. Hideki Uezono, ambassadeur du Japon au Mali. Financé par le Japon sur son budget supplémentaire de l'année fiscale 2022 à hauteur de 3 millions de US dollars, il s'agit d'un don non remboursable faisant partie intégrante de la coopération économique multilatérale du Japon en faveur du peuple malien. Le Japon souhaite aider le gouvernement malien dans ses efforts de consolidation de paix et de la stabilité, d'assistance humanitaire et alimentaire et de protection des populations affectées par les crises sur le court et moyen terme. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, la présente donation du gouvernement japonais vient appuyer les efforts du gouvernement. Elle permettra de soutenir les communautés touchées par l'insécurité alimentaire aux victimes des conflits. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Cet appui qui s'étalera sur 12 mois, dès sa mise en œuvre, va permettre de soutenir 43 050 personnes vulnérables, déplacées internes et communautés d'accueil. Ainsi, le programme alimentaire mondial sera en mesure de fournir une aide alimentaire d'urgence à travers des bons électroniques composés uniquement de nourriture aux personnes les plus touchées par l'insécurité alimentaire et l'insécurité physique dans les régions de Kai, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Kidal, Menaka, Gao et Koulikoro. Selon le commissaire à la sécurité alimentaire, le Royaume du Japon et le Programme alimentaire mondial sont deux partenaires stratégiques du Mali en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi il a salué la qualité de leur engagement au profit des populations vulnérables. La validation du guide eau, hygiène, assainissement en situation d'urgence au Mali, couplée à la retraite, est au centre d'une rencontre qui regroupe les acteurs concernés et les partenaires du secteur, dont l'UNICEF. À l'initiative de la Direction nationale de l'hydraulique, ce cadre d'échange de 3 jours a pour objectif de faire le bilan de l'année 2022, renforcer les mécanismes de coordination régionale et de valider les réalisations prioritaires au titre de l'année 2023. Jules Tambou-Sissoko. La rencontre nationale des acteurs du secteur eau, hygiène, assainissement, WASH, en situation d'urgence au Mali et les partenaires du cluster porte essentiellement sur le bilan de l'année 2022, la capitalisation des expériences et les chantiers prioritaires de l'année 2023. La validation du guide eau, hygiène, assainissement se tient au moment où le besoin d'assistance humanitaire connaît une baisse, passant de 3 700 000 en 2022 à 3 200 000 en 2023. Amar Klotz, chef de section WASH de l'UNICEF. Évaluer la mise en œuvre des recommandations de la retraite qui a été organisée l'année dernière pour voir quels sont les niveaux de satisfaction. Nous allons présenter aussi les bilans de l'année 2022 en termes de réponse et de coordination, ainsi que les résultats de l'évaluation de la performance du cluster WASH.
L'engagement des acteurs et partenaires est un signal fort pour atteindre les objectifs en termes de réalisation et de coordination en situation d'urgence au titre de l'année 2023. Djoro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Il s'agit de valider un guide. C'est un guide qui est un outil que nous avons bien voulu élaborer au niveau du cluster national pour mieux orienter et mieux coordonner les actions d'urgence. Le guide WASH est un précieux outil dont la mise en œuvre efficace nécessite la complémentarité et le soutien dans les efforts de réponse humanitaire. Actualité hors de nos frontières au Sénégal. Malgré le renvoi du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko, 23 mai, ses partisans restent mobilisés dans sa ville de Jikenchor, en Casamance, dans le sud du pays. Les écoles de la commune sont fermées. Depuis dimanche dernier, des militants, essentiellement des jeunes, se sont rassemblés aux abords du domicile du maire et se disent déterminés. En fin de semaine dernière, les hommes du général Daglo Di Amedi ont attaqué la capitale provinciale du Darfour occidental au Soudan, abandonnée par le faible contingent militaire qui s'y trouvait. Au moins 280 personnes ont été tuées en quelques jours, selon le syndicat des médecins soudanais, un bilan qui continue de s'alourdir. Le journaliste tunisien Khalifa Guezmi a été condamné le mardi à 5 ans de prison dans le cadre de poursuites judiciaires tombant sous le coup de la loi antiterroriste. Il avait refusé de communiquer aux autorités l'identité de ses sources dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme. Pour terminer, le président syrien Bachar al-Assad va participer au sommet de la Ligue arabe qui se tient ce vendredi 19 mai en Arabie Saoudite pour la première fois depuis 13 ans, a annoncé le ministre syrien des Affaires étrangères. Retour à l'actualité nationale, les uniformes sont des habits portés par deux ou plusieurs personnes à l'occasion des cérémonies, en l'occurrence des mariages ou autres cérémonies sociales. Dans notre société, les ports de l'uniforme étaient réservés seulement qu'aux femmes. Mais de nos jours, cette pratique gagne du terrain chez les hommes, que ce soit entre membres d'une même famille ou collègues ou même amis. C'est un phénomène à la mode. Pour en savoir davantage, suivons ces dossiers signés Awa Traoré. Âgé d'une trentaine d'années, Bachi Koulibaly, menuisier de son état, aime porter l'uniforme. À l'occasion des mariages, lui et ses amis cotisent pour se mettre dans la même tenue afin de donner une autre couleur à la fête. Cela fait à peu près 3 à 4 ans que nous préparons des uniformes pour les mariages entre amis, à tour de rôle. En ce qui nous concerne, des fois on dépense 8 000 voire 10 000 francs CFA. Cette somme est variable en fonction des moyens du moment. Nous nous habillons en uniforme pour donner plus d'éclat à la fête. En plus, c'est un moyen pour maintenir la cohésion. Selon Ali Konta, le port de l'uniforme pendant les cérémonies de mariage permet d'apporter une unité vestimentaire. L'autre avantage, c'est la réduction des dépenses. Ali Konta, citoyen. Si les moyens le permettent, nous cotisons entre amis pour acheter un tissu pour hommes comme uniforme pendant les mariages. Généralement, la somme qu'on dépense ne dépasse pas 10 000 francs CFA ou quelquefois 12 000 francs CFA par personne. C'est très symbolique et ça renforce les liens amicaux. C'est une bonne initiative, mais elle ne doit pas être imposée à qui que ce soit. L'uniforme semble perdre son sens premier, celui du renforcement des relations humaines. Aujourd'hui, la pratique est devenue une dette sociale à rembourser coûte que coûte. Bachi Koulibaly, menuisier. La pratique a des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients est le fait que c'est donnant-donnant. Si l'on coud des uniformes pour le mariage de l'un de nos amis et qu'on n'arrive pas à les faire pour un autre, cela crée des frustrations, alors que les moments ne sont pas les mêmes. C'est ce que les uns et les autres doivent comprendre. Si le phénomène est à la mode, il n'est pas du goût de tout le monde, comme Adama Dougnon, qui estime que l'uniforme n'est réservé qu'à la femme.
dans notre culture, seules les femmes s'habillent en uniforme pendant les cérémonies sociales. L'avènement des uniformes chez les hommes pendant les mariages a-t-il des impacts socio-culturels en tant que phénomène sociétal? Yacouba Dougouni, sociologue. Dans le contexte actuel, nous avons observé une forme d'émergence des systèmes d'uniformisation des jeunes qui accompagnent les couples. Cela permet d'une part de consolider les relations entre les camarades et pères, parce que généralement ceux-là qui portent ces uniformes sont soit des amis, soit des frères et sœurs de la mariée ou du marié. Pour les hommes, en réalité, c'est une situation qui se prépare depuis très longtemps. C'est comme une tontine, c'est une situation qui permet de maintenir et de renforcer les relations sociales. Ça, c'est vraiment un aspect très important. D'autre part, le port des uniformes, ça permet toujours vraiment d'embellir le décor. Quand vous regardez, dans la plupart des cas, les gens qui portent des uniformes, effectivement, ça a une valeur marchande. Le fait qu'on paye les tissus chez un commerçant, on les coud chez un tailleur, et donc, ces acteurs-là bénéficient vraiment des avantages de ce mariage. Et du coup, on peut dire que le port des uniformes a non seulement une valeur sociale, ça a une valeur culturelle et une valeur économique. Mais on ne peut pas exclure aussi qu'il y a des impacts négatifs par ça, parce que souvent, on peut être amené aussi à s'en être pour se procurer. On peut aussi pousser soit la mariée ou les mariés à multiplier ses dépenses. Parce que ceux-là qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour porter ses habits ou pour les payer, ils sont obligés vraiment de recourir au mariés pour s'en procurer. Le port de l'uniforme dans les cérémonies de mariage, en particulier chez les hommes, n'est pas une mauvaise chose en soi. Toutefois, si pour certains c'est un moyen d'instaurer la cohésion et renforcer les relations humaines, pour d'autres, c'est plutôt un facteur de conflit et de fracture sociale. Entre plaisir et obligation, les avis restent tout de même partagés. C'est heure passée de 17 minutes à présent, la page sport. En Europe, Manchester City rejoint l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, Algérie 2023. Le match pour la troisième place se joue cet après-midi entre Malien et Burkinabé. En Coupe CAF de football, les finalistes de l'édition 2023 sont désormais connus au plan national. Le championnat national de Ligue 1, la 17e journée, a pris fin hier avec deux rencontres. Le résumé de l'actualité sportive avec Abdoulkarim Kaba. Football championnat national de Ligue 1, la 17e journée a pris fin avec deux rencontres, notamment à Bougouni au stade Moussa Diakité. Le stade malien de Bamako et l'ASCO se sont neutralisés 0 but partout. Même résultat à Koulikoro au stade Diara Ash entre le 11 créateurs de Niarela et l'AS Black Star de Badalabougou. Après 17 journées disputées, l'AS Real de Bamako reprend la tête du championnat avec 35 points. Il devance ainsi le Djoliba Athletic Club de 3 points, soit 32 points. Sur le continent, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023, le match pour la troisième place se joue cet après-midi entre Maliens et Burkinabé. Le Mali et le Burkina Faso se retrouvent pour la deuxième fois après le match de poule. Lors de cette rencontre de la première journée, les Aiglonais avaient dominé les jeunes du Burkina Faso par le minimum d'un but à zéro. Malgré la défaite en demi-finale, les sélectionneurs des Aiglonais du Mali, Soumaïla Coulibaly et ses poulains, veulent finir en beauté. Pour plus de détails, écoutons le sélectionneur des Aiglonais du Mali, Soumaïla Coulibaly, a été joint au téléphone par Salifou Diakité. On a motivé les jeunes et puis voilà, ils sont là. Parce que c'est une compétition qu'on devait avoir la finale. Et puis voilà, si on ne trouve pas la finale, si on joue la troisième place, on va tenter de gagner. Bon, le premier objectif, c'était la Coupe du Monde, on a atteint ça. Bon, le groupe va bien, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous montrer parce que c'est un peu dur pour eux. Parce que c'est un choc total. Sur le continent toujours, avec la Coupe de la Confédération, après sa victoire à l'aller 2 buts à 0, Young Africa de Tanzanie, de notre compatriote Diggy Diarra, a obtenu son ticket de la finale en dominant les Sud-Africains de Mamoru Galam 2 buts à 1. En finale, Young Africa affrontera USM d'Alger, puisque dans l'autre demi-finale, les Algériens se sont imposés au match retour 2 buts à 0 après le nul de 0 buts partout à Abidjan face à l'ASEC Mimosa. La finale de la Coupe de la Confédération édition 2023 opposera donc Young Africa de Tanzanie et l'USM d'Alger.
En Europe, Manchester City rejoint l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Cela à l'issue de la deuxième demi-finale retour. Les Anglais ont dominé les Espagnols du Real Madrid par le score de 4-0. Au match aller au stade Santiago Bernabéu, les deux formations s'étaient neutralisées un but partout. La finale opposera donc le 2 juin prochain l'Inter Milan et Manchester City. Ce sera au stade olympique Atatürk à Istanbul en Turquie. À présent, la leçon de sport du jour. En athlétisme, le relais est une course à pied pratiquée sur piste et par équipe. Chaque membre parcourant une fraction du circuit avant de permettre au coéquipier de se lancer à son tour en transmettant un témoin. À moins qu'il soit le dernier à courir et couper la ligne d'arrivée. Il y a plusieurs types de relais parmi lesquels le relais suédois ou le relais combiné. Exactement, nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Le relais suédois est une épreuve d'athlétisme de relais consistant à enchaîner des distances de 100, 200, 300 et 400 mètres. L'épreuve est disputée généralement lors des compétitions de jeunes. C'est une épreuve d'origine suédoise. Adam Ankone, officiel technique international. Le relais suédois est une épreuve de relais officiel de World Athletics, un relais qui se court au niveau des catégories inférieures, les cadets. Le relais combiné ou relais suédois est d'origine suédoise. Contrairement aux autres relais, le relais combiné ou relais suédois est composé de distances différentes. Ce relais se compose de quatre distances comme les autres relais, les 100 mètres, les 200, les 300 et les 400. Cette course est particulière. Adam Ankone, ATIO. Le premier coureur, il fait 100 mètres. Le deuxième coureur, il fait 200. Le troisième coureur fait 300. Et le quatrième coureur fait 400 mètres, un tour complet. Le relais suédois, le départ se situe au niveau du départ des 200 mètres avec le décalage des 400, décalage de virage, de courbe, le décalage des 400 ou le décalage des 4 fois 100, avec les ajustements nécessaires pour le point de rabattement. Au Mali, c'est une épreuve qu'on retrouve lors des compétitions de zone et championnat national des cadets. La prochaine leçon portera sur le témoin qui est un élément important dans une course de relais. 7h passée de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fouseni Tounkara. Mamadou B. Diallo a assuré la connexion technique. La mise en ligne a été assurée par Aziz Koulibaly. Une édition coordonnée par Ousmane Dao. Restez connectés tout à l'heure. La page météo avec Mahamadou Keïta et les avis et communiqués avec Doudou Tembeli. Prenez bien soin de vous. Bon jeudi. Que le bon Dieu nous protège.